Très bien, on y va. Bonjour, président Bob. Oui, bonjour. Président Bob, il y a dit mon quoi, il y a cadre à Balamouka. Il veut parler de l'autre de l'actualité où il est parlé sur la République démocratique du Congo. Premièrement, question de Jésali, tu veux parler sur loi proposée. Il y a Mouekan Sanji a proposé que l'élection comme un suffrage indirect. Dès que le temps où le cas qui réunit l'opposition, dès que Mouimbouka, vous avez un dénigre. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour la moutouna. Je voudrais, dans un premier temps, par rapport à la téléspectateur de Namiso, comme on a dit, M. Bob Bolaboué, nous a dit président national du Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau. RPDR en sigle, c'est un grand parti politique reconnu officiellement. Et puis, parti Namiso RPDR, Zali Nakati, il y a Dynamique pour la vérité des urnes, Oyo Ndeko Martin Fayoulou, Azali coordonnateur. Comme devenu président Nakati Lamouka, Nazali P cadre Nakati Lamouka. Maintenant, par rapport à la question opposée, Ngoï Kasanji a fait une déclaration. Bah, lui, que voilà, il faut qu'il y ait l'élection présidentielle et comment est-ce qu'on a un scrutin indirect. Scrutin indirect est le mot banni. Donc, différence entre scrutin indirect et le suffrage universel, c'est-à-dire que le peuple a voté présent. Nous avons eu en 2006, nous avons eu en 2011, nous avons eu en 2018. C'est le peuple qui vote directement son président. Moi, ce que j'ai aligné, le peuple a voté présidenté. Aligné, c'est ce que j'ai député, le sénateur, c'est à l'objet que, parce que tout ça est économie, et vous permettre que ma dépense, et ça, ma minguité. Mais je tiens à dire, c'est une stratégie, c'est une vérité. Vérité en son signe. Dans le sens que, dans 2006, l'élection présidentielle est à deux tours. Donc comme en 2011, bah, Monique, sur le quai, l'élection présidentielle à deux tours, Kabila Kopola, comme vous avez la majorité dans le Parlement, bah, c'est surtout bah, que pour la raison économique, tout ça, l'élection présidentielle est à un seul tour. Tout ça pour nous parce que, bah, moi, je dis très bien que, il fallait empêcher qu'il y ait un deuxième tour, vos positions économiques. Là maintenant, bah, avancer même raison. Oh, économie, économité. Pourquoi? Parce que regarde, ceux qui tout doux savent l'élection présente, tout doux savent l'élection autorisée en 2018. Ceux qui ont l'élection écoutent 1 milliard de dollars. Là, on est très bien. 1 milliard de dollars. Ceux qui ont l'élection présente, la 4, ils ont à part. Et vous avez 1 milliard. Et vous changez. Vous avez 1 milliard. Si vous avez l'élection présente, après, si vous dépensez 1 dollar, tout 2 dollars, il y a eu 1 dollar de plus. Donc, ce qu'ils disent, contrairement à ce qu'ils disent, que voilà, pour ça l'économie, l'économie aux alatés, il y aura toujours dépense de plus. En vérité, Balingi, ce qui a eu 500 députés, 108 sénateurs, et comme 608, il y a une facilité de corrompre Bango, il y a facilité de contrôler Bango. Ça, c'est la vérité cachée. Mais je suis tout le temps d'accord avec la proposition de Lohana. Vous avez dit que pour le Bissot, le gouverneur a reçu un suffrage indirecté. Tout le monde sait ce qui se passe dans le Sénat. Tout le monde sait que vous êtes gouverneur, député provincial, tout corrompu. Tant que vous êtes un bon corrompu, vous votez au gouverneur. Même système au moment où on est présidentiel. Vous êtes d'accord avec moi, vous êtes au contraire, vous êtes au Bunda, de manière à ce que l'élection présidentielle est universelle, mais elle est à deux tours. Premier tour, on élimine. Vous avez 10, 15, 20, 100 candidats. Ce n'est pas grave. Mais dans le deuxième tour, on a été mis à l'aise. On a pu accueillir. Nous avons une élection présidentielle à deux tours, nous avons eu en 2006. Parce que le président qui est élu, a été élu par la majorité des Congolais.
50 plus 1. À cause est élu par 60% de Congolais, 70% de Congolais. Or, dans le modèle où on va se faire à un seul tour, le président est élu seulement avec 30% de la part de Congolais. Avec vous représenter toute la nation. Ça veut dire quoi? Élu à 30%, plus ou moins 70% va voter été. Non, ça ne va pas. On doit revenir à l'élection présidentielle à deux tours et au suffrage universel. Mais contre le mot Makassi, parce que ça cache moyen de tricherie, de combattre. Bah, c'est ce qu'on va causer encore tricherie, mais d'une manière un peu astucieuse. Pas de classement qui voilà, le scrutin indirect. Non! Il y a une volonté moko yakunuka bazwa pouvoir ba garder pouvoir côté ou bien moyik nani sénateur a vu kabida son asuna bokondi bon ezala ye sénateur la vie il y a vie ou bien n'importe qui moto o ba ngomba kutia tellement ba onze ba ozala na moyen ya mambongo o ba yiba na kata na kenyo tout ça ils vont corrompre les députés tout ça. Moi je veux seulement que ce président n'aura pas un réel pouvoir. Mais ça, tu me dis très bien que mon conseiller dit ok, bah tu n'oses tout, bah c'est pas bien, tu vas voter. Ceux qui ont quelques uns vont voter, non, là ça va pas. Ok, mon amour, président Bob, je vous couvre tous les matins, tu n'as plus ça. Et le côté qui m'irrite, la carte en boucle, ah, les cambriages de la seule constitution, oh, mon amour, c'est pour violer. Oh, une baille d'amour, mon amour, c'est pour violer. Mais pas tout le monde comprend l'été. Le président Mokonambouka a violé la constitution dans le manière dont il a violé la constitution. Est-ce que vous avez vu ce mois le courant? Bon, moi je pense que vous avez débat avec les juristes. Il y a ceux qui pensent qu'il a violé la constitution, comme nous, nous le pensons, comme le professeur Nyambiru Mwatuko Bayango, comme d'autres comment dire, juristes Mwatuko Bayango, et ceux qui sont proches de Félix. Parce qu'on y mettait qu'il y a une violation de la Constitution. Yeah. Mais nous pensons qu'il y a une violation, il y a l'article 158 de la Constitution. Pourquoi? Parce que sur autant d'articles, voilà, on nous dit ceci. Cour constitutionnelle est composée de 9 juges. 9. 9, voilà, 3, nous avons le Marabango présidence. 3 autres parlements. 3 au Vatican, Conseil supérieur à la magistrature. Donc 9. Dans 9 wana, nous avons un mandat qui est ici. Le mandat est ici volontairement par démission, involontairement par l'IWA. Nous avons fait le mandat ici, ou bien à démissionner le mandat ici, ou bien à révoquer le mandat ici. Nous avons changé le mandat. Chaque 3 ans, nous avons 3 juges. Chaque 3 ans. C'est-à-dire que, bah, tiré au sort, bah, juge au bah, qui côté, bah, nommé par la présidence, bah, juge bah, nommé par le parlement, au bah, qui est dans le conseil supérieur de la magistrature, bah, c'est-à-dire tirage au sort, bah, on a eu 3, bah, côté ici 3. Bah, on a eu 3, bah, côté ici 3. Or, c'est que Félix Assali, a nommé 2 magistrats. 2 juges à nommer Bango. Alors que mandat à Bango, ils ont couru. Mandat à 9, il y a 9 ans, et s'il a monté. Et aussi peut-être l'année prochaine. Ils ont toujours en cours. Bah démissionner, bah profiter, bah révoquer Bango. Mais la volonté de vouloir contrôler la Cour constitutionnelle. Parce que d'ailleurs, oh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est parce que Ndeko Kabila, on a Félix, on a la guerre Makassi, on a contrôlé Séni, la Cour constitutionnelle. Parce que en 2006, Kabila a gagné l'élection pour Azagi dans Séni, Azagi dans la Cour constitutionnelle. En 2011, a gagné Papa Tshisekedi pour Azagi dans Séni, Azagi dans la Cour constitutionnelle. En 2018, Martin Fayulu a gagné l'élection, mais Bakamati Betibiso Félix. Parce que Azagi n'a pas gagné l'élection, il faut qu'il y ait un courant. Tout le monde est prêt pour la carte. On a des années devant mon côté, n'a rien qu'au son, on a monté. Parce que ton cœur est moulaï. C'est pas comment tu sais très bien que Kabila, Azagi n'a saigné, Azagi n'a cours concessionnel. Le nom où Kabila a Zakoubunda pour garder saigné, a garder peu cours concessionnel. Le nom où Félix P. Azakoubunda pour Azwa saigné. Azopé pour concessionnel. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Kabila avait absolument à nommer
Rosa Malanda. Malanda, au niveau de la CENI. Pour nous, parce que ce gars a nommé les Kuna, et qu'on permet de faire un contrôle de la CENI. Tout est aimé. Phoenix a nommé le juge dans la Cour constitutionnelle. Avec plus besoin à contrôler la Cour constitutionnelle, mais d'une manière illégale, à violer la Constitution. Alors, Ndekoyo, Babini Théodore Ngoy, Azali, avocat et juge. Tant que le président Martin Fayulu a outil dans Poto Aye, je te suis dans l'aéroport au Koumé Nandjili, Azali, un grand meeting Nandjili, a vu très bien que la domination au Félix Azali a violé la Constitution. Azali, d'accord, on est en route. Tant que le président Fayulu, comme on a présent Fayulu, avec qui on a besoin client n'angai, nous allons défendre Bango. Na yoki yo obi que vous êtes d'accord dans monter que va venir constitution. Est-ce qu'on peut soutenir n'angai? Président Martin, je te soutiens dans la démarche wana. Il y a effectivement violation de la constitution. Le fait que président Martin le bien haut, babi que outrage la chef de l'État. Non, il n'y a pas outrage chef de l'État. Je sais très bien que notre démarche est de défendre la constitution. Hier, on a combattu Kabila. Tant que vous avez violé la constitution, vous aurez été médaillé. Aujourd'hui, quiconque a violé la constitution, ils ont Félix, ils ont Nani, vous aurez été médaillé. Même Félix a violé la constitution, il y a un moment où tout est médaillé, Félix, mais il y a une constitution. Babi, que non, ce que vous savez, bon, Félix, Nani, comme un président. Président, donc vous pouvez pouvoir réparer votre FCC, vous avez des mèches dans votre FCC. Non, nous on se bat pour des principes. Toujours défendre la constitution. Parce que autrement, ça veut dire quoi? Félix a revenu constitution la ligne, tu crées Minoko, pour nous banquer, tu as un bon à ça, c'est ma direction. Non! Ce qui est constitution, ils ont violé, tu as un bon. Maintenant, ce qui est constitution, il très bien que si le président est destitué, le président Sénat, monte au sein de sa direction au bout de 3 mois, au maximum 4 mois, il n'y a pas de souci. Parce qu'aujourd'hui, tu as un bon na Félix, tu as un bon moment. Et si c'est cash, c'est eux qui ont le pouvoir. Bon, on va au diriger Moka. Bon, les hauts, ceux qui sont hauts, par exemple, Tabou Mamba, assassiné l'élection, par Osaka, on a la cache. Ils ont dit, ça n'a pas de bon. Donc, on continue à dénoncer toute violation de la Constitution. Parce que pour nous, la Constitution, c'est quoi là? La loi mère. Il y a un autre temps où c'est Moka, ceux qui ont violé, et comment dirais-je, étaient Moka. Nous, nous sommes d'accord dans la montée. Merci, Président Bob. Président Bob, mon tourné à moi, pas tout comme on a souhaité, monsieur Nabissou. À propos, moi, beaucoup de Rwandais, à Kenaki, devant la République, M. Vincent Karega, qui a minimisé, quand on a mis au Bakoufa, dans l'Est, il y a beaucoup de Nabissou. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, ils avaient balkanisé notre pays. Katang est comme un État. Et Lumumba Tembe Bango a bondi né Katang et Zonga dans le Congo. Projet d'une sécurité. Depuis fin de la deuxième, fin de la guerre froide, à partir des années 90, ce projet est remis en selle. On a besoin d'une partie de la côté est, côté de Kivuana. Rwanda a besoin d'azumabé et d'abisso et comme il y a bango. Il y a un processus de balkanisation. Il y a un moni, kuna, bitumessi la raté, baboumara batou, ba violera batou, de manière à ce que la population et kima, spasse wana, population rwandaise et rwanda, n'a qu'à ta territoire wana. Donc, depuis, comment dirais-je, Afde la ya, baboumi batou et bélé, d'après, comment dirais-je, on y a très bien, il y a déjà plus de 8, 9 millions de morts. Mais nous pensons qu'il y en a plus, même à table à 10 millions de morts. Pour l'année, parce que leur volonté, il y a heureusement bien, il y a eu le Rwanda, il y a un minimum de coltan, il y a producteur à coltan. Il exporte le coltan. Il y a pas de donc, parce que pour moi, pour la richesse, il y a un peu pour moi, il y a un. Alors, lorsque cet ambassadeur-là, Azo va très bien que voilà, Azo qu'on minimise en gros. Azo qu'on bosse n'importe qui, n'importe mapping, comment dire rapport mapping à ONU et le bas en gros très bien.
Donc, minimiser le fait que Nakisangani, Donc, il y a un coup du président Martin Fayaba très bien que tout le 2 août, Bissoba na Congo, photo, tout ça, tout commémoraka. Date où on a eu un massacre, on est basé au Congolais. Alors lorsque un ambassadeur rwandais, qui au demeurant, azaki ambassadeur en Afrique du Sud, a bomisi bas rwandais qu'on en Afrique du Sud, bas le Congolais bas il n'a eu awa, alors ça déclaration qu'est un bon ambassadeur, que azaki au minimiser en haut. Si on était un gouvernement responsable, réellement responsable, le haut basé pas bengani, derrière tout c'est là qui pas bengani. Mais tel que moi au cas moi, bas Congolais bas se réunir, bas que aussi la manifestation de l'ambassadeur Rwanda. Pour passer un départ de l'ambassadeur Rwanda, la police a eu à gazer Batou, à péter Batou, à faire un bon travail, à tanguer Batou, c'est une normalité. Mais pour les normalités, parce qu'on a traité bien, c'est le Rwanda, derrière le Rwanda continue à contrôler le pays Nabisso à travers Kabila, à travers Félix. Ça ne va pas. Donc, le peuple congolais, il fait témoigner, parce que autrement, ce n'est pas possible. Mboka comme Rwanda, même si on sait très bien que derrière Rwanda, il y a de grandes puissances, Bali Simonaye, mais nous, Congolais, si nous s'organiser, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir, il faut le peuple l'informer, il faut le peuple comprendre que, où est-ce qu'on fait dans l'Est, où est-ce qu'on fait dans l'Ouest, on dit Moutoumoko, pour défendre ma belle d'Abisson. Voilà. Parce que d'abord, faut que l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est le peuple qui est d'accord avec le kabilisme. Le 30 décembre, à Kenya, vous votez pour tout Bengana, Kabila, le kabilisme et l'ongwa. C'est ça l'amour, ce peuple-là. Plus de 60% ont voté Martin Fayulu. C'est ça l'amour. Le vrai Lamouka est en Wana. Mais ce que c'est quoi, le dirigeant Lamouka, le président Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Mozitu, l'organisation Lamouka, Bali, au dirigeant Yango. Mais le vrai Lamouka, c'est un état d'esprit. C'est ce peuple où il a souffert. Le peuple où il a souffert, debout de moitié. Le peuple où il a souffert, il a souffert. Où il a souffert, il a souffert, il a souffert, il a souffert. C'est ça Lamouka. Maintenant, si on retourne à la Mouka organisation, non. Bemba, Moïse Katumbi, président Martin Fayulu, Namouzitu, Bana Katia la Mouka. Jusque là, Moutoumoko l'a mouté. Oui, c'est ce que le président Fayulu a 4 millions de dollars à Yangambo FCC. La carte de la Mouka? Et où tu es? Non, c'est bon. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Opposer toutes ces questions de Bosso. Nakati et Lamouka, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que, tout comme chaque organisation, on peut ne pas être d'accord avec Makamounsou. Donc, le président Martin est en position, Bemba est en position au contraire. Le président Moïse est en position, Moïse Katumbi est en position. C'est normal, c'est la démocratie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? La convention où il y a la Mouka, point Niboso, défense la constitution. Pour les 4 points, défense la constitution, point Niboso. Martin Fayulu a défendu la constitution, Bemba, Moïse Katumbi, Namouzitu doivent être derrière comme la défense de la constitution. De ce côté, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a 4 millions. 4 millions et où tu vois, n'a pas si nani. Après, c'est Martin Fayulu 4 millions. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Oh, comment dirais-je, garçon, comment il s'appelle encore? Oh, je suis un nani. Marc Moukeba, c'est regrettable. Marc Moukeba, c'est un garçon, c'est un combattant. Je connais sa lutte. Je respecte sa lutte. Parce qu'il a bondi. Mais Marc Moukeba est dépêché de Boloko. Boloko a souko awa. Le discours a changé. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous savez, c'est quoi les conditions? À comment Banda Bima Boloko a un discours un peu complaisant par rapport à l'UDPS? Et là maintenant, s'il n'était pas d'accord, la position du président Martin Fayulu, c'est normal, tu arrêtes la démocratie. Elle est obligée à d'accorder. Mais dès là, à Banda, au fur et à mesure du président Martin, pour bêtises, nous sommes là, c'est une normalité. Il y en a, nous sommes là, on sait très bien que c'est Mbappé, c'est bon. Parce que c'était quoi l'objectif? Va salir le président Martin. Aura et Martin, c'est tellement ma casse, ben il m'a quitté moi. Nous, ben Moukeba, ben c'est qui utilisé. Alors, à Paris, ben 4 millions, ben il y a sur la preuve. Tant qu'il n'y aura pas de preuve, tout ce qu'il disait, ben rumeur. Et Ngaï, à niveau Ngaï, je ne peux pas commenter sur les rumeurs. Présent Bob, tu connais cette émission,
Parti au Kambaka. C'est très bien. Tout fonctionne très très bien. Quand je te dis que notre combat, vous avez que sur le plan sécuritaire, nous nous battons pour la souveraineté du Congo. Le Congo est un pays souverain. Pour limiter un centimètre carré en Boko, et qui ne sont pas. Tu veux se battre pour l'intégrité territoriale. On se bat pour la paix. Ceux qui nous ont dit que nous avons tant de saïté. On se bat aussi pour le développement de Boko Nabiso. Tu as très bien organisé notre siège, ils sont à Lemba, dans la rue Lyon, numéro 9 bis. Donc, du parti, ils sont basés. Tu es dans Mandombe, tu es dans Katanga, tu es dans Kasai, tu es dans Bakongo, tu es dans Kinshasa. Donc, le parti fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Il y a ceux qui sont très bien qui sont dans le Congo, ils sont très vigilants, ils sont très mobilisés, parce que mes collègues, ils sont très bien. Je suis prêt pour vous mettre ma casse. Merci pour votre temps. Je vous remercie.